Moi, c'est tout simplement un oubli. Quand on oublie d'éteindre la friteuse, l'huile continue de chauffer et à une certaine température, l'huile va s'auto-enflammer. Comme là, ce qui s'est passé, en fait, on a juste mis un fond d'huile et on a laissé l'huile chauffer. Et comme vous pouvez voir, bah, déjà là, on voit l'huile a pris feu. Donc, je vais laisser mon collègue finir la présentation. Bonjour à tous. Alors, comme mon collègue vous a expliqué, on va essayer ici de vous démontrer l'incident de l'eau sur une friteuse avec de l'huile en fusion. À titre d'info personnel, le feu de friteuse, ça peut arriver à tout le monde et on a plus ou moins tous une friteuse ou de l'huile de friture chez soi. Sachez que l'huile de friture, à partir de 230 degrés, on peut l'enflammer et entre 250 et 280 degrés, c'est une inflammation instantanée. Comment ça peut arriver? Tout simplement avec un défaut de thermostat sur les appareils électriques. Soyez vigilants. On va ici vous montrer l'effet de l'eau sur l'huile. Et ensuite, je vous expliquerai quelles sont les actions immédiates et les réactions à avoir si vous êtes confronté un jour à un feu d'huile grasse chez vous. Alors là, pour des raisons de sécurité, vous voyez que mon collègue il s'est équipé avec sa veste d'intervention, des gants et son casque. Simplement parce que bah, l'accident peut vite arriver. Sachez que nous, au 10 du Nord, on est formé à réagir sur tout type d'intervention et tout type de feu. On a du matériel spécifique. Alors voilà, là, mon collègue va juste déposer un gobelet d'environ 20 centilitres d'eau sur un fond d'huile. Regardez ce qui va se passer. Alors vous voyez, volontairement, on n'a pas mis une grande quantité d'huile ni une grande quantité d'eau, parce que plus il y a d'eau, et plus la réaction est importante. Il y a un positionnement des véhicules de secours qui est important. Donc là, vous le voyez, donc là, c'est la tour qui concerne la ligne d'habitation à plusieurs étages. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que le feu de l'incendie ne vienne pas gêner la manœuvre de la grande échelle. Dans chaque véhicule, il y a un responsable de véhicule, ce qu'on appelle un chef d'agré. Donc là, vous avez pu voir le chef avec le système de hache et de petites piches pour déterminer le système matériel. Donc les sapeurs pompiers ont réussi à ouvrir la porte. En ce qui concerne le fourgon d'incendie, donc c'est un véhicule qui est armé par 6 sapeurs pompiers. Donc, le fourgon d'incendie, 6 sapeurs pompiers, donc un conducteur, un titulaire du poids lourd. Et pour aller spécifiquement à la pompe du véhicule, ça va être un véhicule qui compte environ plus ou moins 3000 litres d'eau. Donc à l'arrivée sur les lieux, on a pu voir tout à l'heure les deux responsables de véhicules qui sont coordonnés. Ce qu'on appelle aussi, ils effectuent une reconnaissance sur la situation qu'ils ont rencontrée. Et la première des priorités, là vous le voyez avec la grande échelle, c'est d'aller chercher les personnes bloquées par les fumées ou l'incendie. L'établissement des tuyaux reste secondaire par rapport au sauvetage des personnes et des véhicules.
Donc le personnel que vous voyez agenouillé s'équipe de son appareil respiratoire isolant. Donc c'est un appareil, vous voyez, une bouteille d'air bien comprimée sur le dos. Et en fait, avec cet appareil, ils vont pouvoir être isolés des fumées et du milieu dans lequel Nous, c'est l'équipe cynotechnique, une spécialité du SDIS, des pompiers du Nord, même partout en France. On est 12 conducteurs cynotechniques, donc 12 maîtres chiens, et on a 14 chiens. Il y a des collègues qui ont 2 chiens. On a essentiellement du berger allemand et du malinois. On a un Saint-Hubert qui fait de la piste. La piste, c'est quoi? C'est un chien qui recherche une personne avec une odeur de référence. On sait qu'il y a une personne qui est égarée. Cette personne, on va à son domicile, on récupère un vêtement, un téléphone portable, quelque chose que la victime a tenu, pas très longtemps avant sa disparition. On fait sentir le chien pendant quelques secondes sur l'objet, sur le vêtement, et lui, il est capable, à partir de l'endroit où elle a été vue la dernière fois, de remonter tout son parcours jusque là où la victime allait. D'accord ? Ça, c'est avec une odeur de référence. Là, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est du questage. Le questage, c'est quoi? C'est un secteur qui est défini. On sait que dans ce secteur, il y a une victime potentielle ou pas. Il y a des fois où on travaille à blanc, où on n'a pas de victime. Et le chien, il va parcourir le secteur. Il parcourt le secteur dans le sens du vent. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, il va aller rechercher les molécules que tout le monde dégage. Donc, soyez pas surpris si le chien passe les barrières, fait un tour entre vous, vous le touchez pas, vous le laissez faire. Il est dans le travail, il n'a pas le même comportement qu'à la maison. Il est là pour travailler, il est là pour avoir une récompense. Donc le chien, sur son secteur, il va tout parcourir jusqu'à temps qu'il sente une odeur humaine. Et là, il va se mettre au pied de la victime et il va aboyer. D'accord ? Les chiens sont opérationnels au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans de formation, eh bien, le chien va pouvoir partir en intervention, rechercher les personnes. Les chiens, on les achète à l'âge de 2 mois et on les travaille pendant 2 ans tous les jeudis. Donc tous les jeudis, on se réunit dans tout le département, on change tous les jeudis et on se permet de les entraîner sur des sites désaffectés, des terrains vagues, tout type de bâtiments qu'on pourrait trouver. Le chien, il travaille pour une récompense, le boudin. Le boudin, c'est pourquoi il travaille. C'est vraiment l'objet unique pour lequel il va travailler. C'est le plaisir d'être avec sa victime. Pour lui, il associe la victime à du jeu. Et donc nous, pendant 2 ans, on associe le travail à du jeu. On travaille que dans la bonne humeur, que dans le jeu. Secours sauveur d'âge incendie, il lutte au péril de l'eau.